ça, c'est le premier mur de départ de la piste Lévaux-Lacroix qui a été faite dans les années 74. Et là, nous avons organisé pas mal de compétitions, des Coupes d'Europe, des Championnats de France, bien sûr des courses régionales, des Coupes du Monde également. En tête à mi-parcours, Lacroix va terminer en boulet de canon. Après une entorse et 6 semaines de repos forcé, il réussit une rentrée fracassante. Du même coup, il va réhabiliter le ski français qui, depuis 5 ans, attendait vainement une grande victoire internationale en descente. Et pour la première fois, une course de descente est remportée à plus de 100 km à l'heure de moyenne. C'est tout simplement fantastique. Léo Lacroix fait partie de ces skieurs français qui ont marqué leur époque sur plusieurs générations. Nous sommes alors dans les années 60, Killy et Lacroix se partagent les podiums du monde entier et incarnent une équipe de France de ski forte et solidaire. Alors qu'en 1968, le pays s'apprête à organiser ses propres Jeux Olympiques, c'est Léo Lacroix qui est choisi comme porte-flamme lors de la cérémonie d'ouverture de Grenoble. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous nous présentons aux Jeux Olympiques en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les régissent et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. Un symbole fort pour le sportif qui s'est lancé quelques années auparavant dans une autre compétition, celle de l'aventure industrielle, avec la création de sa propre marque, les skis Lacroix. La prédilection, la station auquel il évolue. Et de là, on va compiler tout ça dans un ordinateur et lui sortir le ski tout à fait sur mesure et adapté pour lui. Alors, voilà en gros toutes les personnalités que j'ai rencontrées durant ma carrière, durant ma vie, bien entendu. Pour moi, c'est une grande satisfaction d'avoir rencontré tous ces grands hommes d'État, puisque finalement, c'est tous des hommes d'État. En plus, les 6 présidents de la 5e République. Le général de Gaulle, on a été les premiers médaillés olympiques en 1964 avec les sœurs Wetchel, Alain Calma et François Bonlieu. François Mitterrand, qui m'avait invité à l'Élysée pour me remettre la Légion d'honneur, parce que j'ai été un des premiers sportifs à me lancer dans l'aventure industrielle. Et il savait très bien donc, que j'exportais près de 70% de ma production et il trouvait que c'était légitime qu'un petit skieur comme moi soit récompensé de la Légion d'honneur. Gerald Ford, président américain, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, qui m'avait invité avec Jean-Claude Killy chez lui dans le Colorado. J'ai eu le roi d'Espagne, qui m'avait commandé des skis. Il m'avait demandé d'aller lui remettre ses skis personnalisés dans son château de Madrid. La montagne, moi je suis né déjà en montagne, hein, dans le Jura, puisque c'est quand même un massif montagneux, donc à 1050 mètres d'altitude. Donc toute mon enfance a été bercée par la neige, par la montagne, par les forêts, par les pâturages. Le ski d'ailleurs, c'était relativement facile, puisque finalement, en primaire, donc on allait déjà à ski à l'école. Et puis il y avait donc je crois que c'était les jeudis matins, on avait donc une séance de ski. On avait un moniteur de ski qui nous avait imprégné donc le ski, donc un petit peu de ski alpin. Mais essentiellement, c'était du ski de fond, c'était de la balade. Et c'est la raison pour laquelle on a dit le Jura, donc tout va rester dans le domaine du ski nordique.
J'avais deux frères plus âgés que moi, eux ils avaient déjà leurs skis et moi j'en avais pas, donc je me plaignais toujours, j'aurais bien voulu avoir une paire de skis. Et c'est mon père qui avait trouvé deux bouts de planche et tout, qui était avec, dans le fourneau avec la bouilloire, il avait cintré un petit peu le ski, il avait fait la spatule, je me souviens, il avait mis ça dans la bouilloire le soir, le matin, donc on avait la spatule du ski. Donc il avait mis ensuite après des morceaux de ficelle, mais malheureusement avec l'humidité les ficelles se cassaient, donc il m'avait mis du fil de fer. Et ça a été donc ma première fixation, donc c'était avec la ficelle et ensuite du fil de fer. Donc j'avais à l'époque, j'avais 8 ans, je me souviens, ma première paire de skis. Et de là, bon, ben, on a continué tout. Puis comme on était toute une équipe de copains là-haut, à peu près du même âge et tout, donc on a commencé à se tirer un peu la bourre, comme on dit. Donc on a toujours eu cet esprit de compétition. Et voilà comment a démarré le ski à Bois d'Amont. C'est dans ce petit village que tout a commencé pour Léo, il y a 77 ans. Issu d'une famille modeste, Léo a d'abord commencé à gagner sa vie dans l'une des nombreuses usines où l'on fabriquait des boîtes à fromage. Très vite, le jeune homme s'arrange pour se distinguer dans le ski, où les premières compétitions régionales le sortent déjà du lot. Depuis, Léo a toujours gardé un grand attachement au village qu'il a vu naître et qui abrite toujours la maison familiale occupée aujourd'hui par Paulette, sa belle-sœur. C'est gentil de m'accueillir. Salut. Vas-tu bien? Ça va. Oui, ça va. T'as pas froid, hein? Ça sent la neige, hein? Ben oui. Dieu, c'est gris, ça y est. Voilà, c'est l'automne. Elle est voilà. Curieuse? Ben vas-y, je te laisse rentrer. Je te suis, madame. Il y avait trois sports, disons, qu'on avait ici à Bois d'Amont. Bois d'Amont, c'était le ski, essentiellement. Donc, il y avait des concours annuels chaque année. Il y avait le football, parce qu'on était une très belle équipe de footballeurs. Et la musique, parce qu'on était tous, mes trois frères, on était musiciens, footballeurs et skieurs. Nous avons été tous les quatre moniteurs diplômés de ski. Et ensuite, donc, mes trois frères donc, sont rentrés dans les douanes. Bien entendu, ils faisaient beaucoup de ski l'hiver, puis ils avaient fait partie de l'équipe des douanes. Mon frère aîné Gérard, le mari de Paulette, il enseignait le ski à des gradés dans les douanes. On a tous été donc douaniers, essentiellement dans ce qu'on appelait dans la volante, c'est-à-dire c'était une brigade volante qui se déplaçait sur tout le Haut-Jura. J'ai choisi donc le ski, pourquoi? Parce qu'il y avait les championnats de France en 1958 à Valoir, et j'ai décidé de partir enseigner là-bas. J'avais passé mon capacitaire, le premier degré de ski, pour aller enseigner là-bas, pour me préparer pour courir ces championnats de France. Et là-bas, ça a été une véritable démonstration que j'ai faite, parce que je battais des membres de l'équipe de France qui rentraient des championnats du monde de Bad Gastein en Autriche. Et j'avais fait 4e en slalom, 4e en géant, en partant 144e en géant, je n'avais jamais vu ça. Et pour moi, donc, ça a été le démarrage finalement de ma carrière de skieur. Et c'était en 1960, donc j'étais encore donc, à l'armée, où j'ai eu la chance de remporter le titre en slalom, champion de France de slalom, ce qui m'a permis de rentrer tout de suite en équipe de France et de démarrer cette carrière que j'ai eue pendant 10 ans. Une carrière dans laquelle notre Jurassien devient champion de France à 3 reprises en slalom. Mais c'est surtout comme descendeur qu'il rafle ses plus beaux titres au championnat du monde de Portillo en 1966, où il court pour la première fois sur ses propres skis, ou encore aux Jeux olympiques d'hiver d'Innsbruck en 1964. S'il avait cru davantage à la victoire, Léo Lacroix aurait pu être champion olympique de la descente. Il termine à 74 centièmes de seconde seulement du vainqueur, l'Autrichien Egon Zimmermann. Je sais qu'avant les Jeux olympiques, que tout Bois d'Amont donc, s'était rassemblé. Alors on m'avait envoyé, j'ai reçu je ne sais pas combien de grosses lettres et tout, tous les Bois d'Amontiers m'encourageaient pour la descente des Jeux olympiques. Alors, j'étais au départ de la descente et je savais que tout Bois d'Amont m'attendait, que tout le monde était devant les petits écrans de télévision, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'il y avait, je crois, trois petits bars où ils avaient la télévision. Et ce matin même, c'était à 11h, je savais que tous les petits ateliers, tout le monde arrêtait de travailler pour aller
me voir à la télévision. Et là, c'est vrai bon, que j'ai eu cette opportunité, enfin pas une opportunité, parce que je crois que je le méritais bien, donc cette médaille d'argent. Et là, bon, ben, bien sûr, ça a été un accueil à mon retour extraordinaire. On avait fait un arc de triomphe à l'entrée de Bois-d'Amont, où tout le village, tout le Haut-Jura était venu m'accueillir. Il y avait l'école de ski des Roses. Tous les champions étaient venus, d'ailleurs, avec... Toutes les filles, avec M. Bonnet, tout le monde était venu pour la réception, pour m'accueillir. Tous venus à Bois-d'Amont. C'est rarement ouvert. La tombelle, la relance, la misère. Je ne sais pas comment il peut vivre comme ça. Il habite tout seul. Oui, oui, oui. Il n'y a personne, il n'a pas de compte. Avec son chat. Parmi les fidèles de l'époque, Pierre Crottin, lui aussi ancien skieur, est resté un proche de Léo. Les deux copains d'enfance se retrouvent régulièrement sur Bois-d'Amont pour faire revivre ce passé glorieux qui fait désormais partie du patrimoine jurassien. Ah ben non, mais il y a toujours rien. Il y a toujours l'école primaire, là. Mais là, maintenant, c'est des garçons. Non, c'est... Non. Alors... Ah ben tiens. Alors, voilà, donc... Le carré de l'Est aussi avec les moines. Avec les moines. Typique. Non, mais c'est fantastique, ça. On s'en souvient, toutes ces boîtes à fromage. Et qui revenaient sur Bois-d'Amont avec les étiquettes, là. Oui. Ah oui. Là, l'origine du ski, là. L'origine du ski, là. Tout à fait. Non, là, au musée, on trouve tout. Regarde, il a été découpé. Donc, les anciens skis, si vous voulez, les premiers skis... Ah oui, étaient, la spatule. Oui, carrément... Découpé dans la masse. Dans la masse. Il fallait trouver le tronc qui convienne, disons en forêt. Hein, et il était découpé avec la scie à chantourner. Oh, voilà, donc. Voilà, toute la collection des skis. Ah là là, tous les fabricants de bois d'amont d'ailleurs. Ah, puis ça, c'est ton père. Alors, il faut quand même que je vous dise, j'ai eu mon premier titre de champion de France. Sur des vautours, des skis fabriqués par son papa, par Gérard. Ouais. On était déjà d'avant-garde hein, ici. Oui, parce oui. que pour être arrivé dans les Alpes avec un ski fabriqué ici dans le Jura, c'était tout à fait exceptionnel. Mais... D'ailleurs, les gens en riaient un petit peu. Ils disaient, mais c'est pas possible qu'il puisse courir avec des skis et champion de France. Puis alors, voilà toute la collection, donc les skis La Croix. Les skis La Croix. Voilà, justement, ça a été après. Ah ouais, ouais, tiens. Premier ski, voilà, une médaille d'argent lors de la descente des championnats du monde de Portillo 66. Et bien voilà, c'était mes premiers skis de descente. Je courais sur les skis Rossignol, sans vouloir citer la marque. Et j'avais fait pas mal de séjours chez eux de façon à m'imprégner de la fabrication des skis. Parce qu'à l'époque, donc, ils avaient besoin d'un skieur, essentiellement comme j'étais un descendeur, donc on avait un petit peu de retard dans les skis donc, de descente. Et j'avais passé deux étés là-bas. Et c'est là, après, donc, que m'est venue à l'idée de m'associer avec mon cousin Daniel pour la fabrication des skis. Voilà. La première descente de la saison, c'était à Val d'Isère, au Critérium de la première neige. Je gagne la descente devant Jean-Claude Killy, chez lui, alors que c'est la seule descente cette année-là que Jean-Claude n'a pas gagnée. Je l'ai battu sur sa descente et pour la première fois avec la croix sur les skis. Et je crois que ça a été un petit peu le démarrage de la saga La Croix dans les skis. Alors, je suis vraiment très, très heureux que Bois-d'Amont, dans ce musée, ait pu reconstituer toute la saga des skis La Croix. Voilà. Les skis que nous fabriquons et que nous avons mis au point avec Léo sont essentiellement des skis à bois, mais à fibre de verre. C'est un ski plastique qui donne d'excellents résultats actuellement. C'est le ski qui évolue le plus actuellement, même par rapport au ski métallique.
Tout a commencé ici. Eh ouais, exactement, ça a commencé. Donc ici, c'était une petite grange. On a démarré les premiers skis ici. On a tout de suite construit le rez-de-chaussée, là, pour démarrer donc, la fabrication, installer des presses. C'était nos premières presses. Et ensuite, on a fait un deuxième étage. De façon, c'était une petite extension. Et ensuite, on a construit tous les bureaux là au-dessus. Et voilà, c'est l'entreprise qui a démarré ici. C'était donc en 1966. Ça n'a pas été facile hein, au début. Bon, on avait un bon collaborateur qui s'appelait Daniel Arbé, qui a été vraiment à l'origine avec nous pour démarrer. Ensuite, on a recruté, bien sûr, tout de suite quelques employés. On devait être 7 ou 8 dans l'atelier. C'est la raison pour laquelle il a fallu faire tout de suite construire un petit bout d'atelier et ensuite l'extension. Et c'est vrai qu'il fallait travailler d'abord, faire des skis. On a eu fait, parce qu'on en avait une telle demande, on faisait des 3 à 8. Alors, moi, je venais le matin très tôt. Mon cousin restait très tard le soir. Et ensuite, donc, moi, d'un côté, il fallait que je travaille ici et que j'aille vendre, parce que j'étais tout seul pour vendre. Donc, il fallait que j'aille voir les amis qui avaient des magasins de sport dans les stations, ensuite en ville. Et c'est, tout a commencé comme ça, tout à fait à une échelle artisanale. Les copains disaient, il est fou, ce Léo. Mais il est fou. Fabriquer ses propres skis, il n'y arrivera jamais. Puis finalement, bon, ben, ça s'est bien passé. Tu veux rentrer ? Ah, il est là, ce Ludo. Salut, Léo. Et tu aurais pu nous accueillir avec le soleil. Hein. Ah, ben, il était hier. Tu aurais pu faire quelque chose. Voilà. Ben, ça me fait plaisir de te voir, là. Alors, tu bosses toujours un petit peu ? Ben, tu vois, toujours une petite production. Ouais. Toujours tout seul ? T'as pas appris d'employé, toi ? T'es... Non, non. Bon, j'aime bien ça. Travailler seul. Ah ouais. Voilà, Léo, les derniers skis qu'on a sortis. C'est des skis des 168. Magnifique, ça. Ouais. C'est toi qui en as fait le design ? Oui, c'est très simple. C'est gravé, simplement gravé sur du titanal, mais il y a une belle structure. Ludovic est le fils de Daniel Lacroix, avec lequel notre champion s'était associé à la grande époque. Aujourd'hui, la famille Lacroix a tout revendu, mais Ludovic est resté attaché à la tradition familiale en créant lui aussi sa propre marque dans l'atelier d'origine qui a vu naître les premiers skis Lacroix. Moi, j'ai bénéficié un peu d'un savoir-faire et après, tout en étant dans un petit atelier où on est aux origines, malgré tout, ça a une âme. Et puis, on est toujours bien entouré des anciens qui ont travaillé ici il y a 30 ans ou 40 ans, donc ils repassent à l'atelier, qui viennent voir ce qui se passe. Là, toi, il y a la partie épicéa sur le côté, donc l'épicéa du réseau, et puis il y a la partie freine au milieu pour avoir plus de rigidité. Puis quand même, on essaye de gagner un petit peu en légèreté sur les côtés. Ouais. Bien sûr. Après le verre, toujours assez standard. Et puis le carbone, là. Ouais. Le carbone, donc c'est un unidirectionnel, qui est bien tissé. Qui est bien tissé, justement, pour la compression. C'est les skis de poutine qu'on a fait l'année dernière. Enfin, c'est quand on a découpé dans les semelles, donc c'est son nom en cyrillique, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire là, mais ça veut dire... C'est pas Poutine, on voit pas le nom de Poutine. Non, mais c'est son nom dans cyrillique. Et c'est toi qui lui as livré peut-être là-bas, non ? Non, c'est pas moi qui les ai livrés. Tu les as pas emmenés à Sochi, là, pendant les Jeux, là ? Non, c'est pas moi qui les ai livrés. Ah bon, qui c'est qui les a commandés alors ? C'est son intermédiaire. Ouais. Ah ouais. Oh, bravo. Donc ils ont envoyé ces skis originaux qui sont des goodies pour que je prenne les cotes, que ça ressemble à son Et il a skié déjà avec ? Il a skié avec, ouais. Et puis, quoi, il les a appréciés ? Il les a bien appréciés. Oh, et puis, il t'a envoyé un petit mot ? Non, j'ai pas eu de petit mot. J'ai pas eu cet honneur-là. Pas comme toi, mais. Mais c'est assez cool, quoi. Enfin, c'est sympa. Bravo, dis donc. C'est une référence, ça, hein ? Ouais. Bravo. Donc, ça va continuer là-bas. En 1987, les commandes de ski Lacroix affluent et Léo sait bien qu'il doit passer à la vitesse supérieure. Il quitte alors son Jura natal pour s'installer en Haute-Savoie, dans une usine prête à accueillir ses ambitions de développement. Alors voilà, c'était l'entrée. Donc au lieu de Marnia, il y avait ski Lacroix et beaucoup de gens qui venaient au sport d'hiver quand ils venaient en train pour aller sur Morzine, Avoria, Léger et tout. Ils voyaient toujours, ils disaient « Tiens, l'usine ski Lacroix, par contre, ils ont fait une extension ici. » Et ben voilà, je me retrouve devant l'ancienne usine des skis Lacroix. Ah ben voilà, le logo des skis Lacroix qui est resté intact. Alors vous voyez, ça c'était une croix, c'était donc Léo Lacroix. Et également, puisque j'étais associé avec un cousin qui s'appelait Lacroix, donc ça faisait les deux Lacroix. Et en même temps, ça faisait une croix.
Donc c'était véritablement le sigle des skis Lacroix. Donc je l'ai reconnu tout de suite. D'ailleurs, il n'a pas été changé. Mon Dieu, ça a bien changé. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus vaste, plus aéré, parce qu'on avait des box. Là, c'était les bureaux, mon cousin, moi-même. On avait notre directeur commercial, ici, c'était les secrétaires. Dans cette usine d'allure vieillotte, on imagine les skis de demain. Toutes les trouvailles Lacroix sont devenues des classiques. Ici, on a déjà signé l'utilisation de la fibre de verre, du carbone, du Kevlar. On a lancé les familles de skis, les softs, les compacts. Et depuis 5 ans, Léo rêvait du ski unique, du ski sur mesure. C'est fait. Nous avons démarré donc à une échelle industrielle, disons, parce que là-haut, abondamment, c'était vraiment de l'artisanat pur. Alors qu'ici, bon, ben, on avait d'ailleurs un très bel outil de production. Et c'est là que finalement, c'est là que les skis Lacroix sont développés, où on a fait en sorte de créer des nouveaux modèles, puisqu'on est parti chaque année, on avait un ou deux modèles nouveaux. D'ailleurs, chacun nous attendait au Salon de Grenoble pour la présentation des nouveaux modèles. Et je crois que c'est là que finalement le développement de l'entreprise s'est effectué. Au départ, on fabriquait des skis de compétition. Donc, pour moi, il est absolument exclu de continuer là-dedans, parce que finalement, il y avait tous les grands producteurs du monde entier qui faisaient des skis de compétition. Et je me suis dit, bon, ben, je ne pourrais jamais concurrencer ces gens-là. Il faut essayer de trouver quelque chose. Et c'est là que j'ai lancé donc, le ski compact. Et puis, j'ai voulu un petit peu l'identifier par une spatule spéciale, plus ronde et tout, qui s'est avérée très intéressante parce que c'était au moment où les gens découvraient le hors-piste. Et je trouvais ça extraordinaire que les gens sortent des sentiers battus. Et de là, j'ai fait un ski beaucoup plus large, avec cette spatule ronde, qui était, je leur disais, c'était simplement pour que la spatule émerge de la neige. C'était beaucoup plus facile à déclencher en poudreuse. Et là, ça a été véritablement le succès. Ici, l'artisanat est une valeur sûre. Il faut 3 heures pour faire un ski, là où la concurrence met 55 minutes. Pour Daniel et Léo Lacroix, l'idée du ski très haut de gamme n'est pas un gadget, bien au contraire. Il a fallu également que je me différencie des autres. Je me suis dit, bon, je ne peux pas rester dans le créneau des autres. À partir du moment où j'apporte quelque chose, à travers donc un système de ski, un design, et en plus en élaborant avec des maisons comme Dupont de Nemours, avec des nouveaux matériaux, des nouvelles fibres et tout, je me suis dit, bon, ben, c'est le moment ou jamais de vendre les skis beaucoup plus cher. Et à partir de là, donc, j'ai mis les skis très élevés. Et c'est vrai, avec une petite production, bon, je voulais que ça crée la demande. Parce que c'est vrai qu'effectivement, j'aurais pu vendre beaucoup plus de skis. J'étais à 20 000 paires, j'aurais pu peut-être en vendre 40 000, peut-être 50 000. Mais je ne voulais pas parce qu'il fallait créer la demande. Et à partir de ce moment-là, quand on crée la demande, on peut mettre les skis très chers. Et à partir du moment où les gens ont payé le ski très cher, qui apportait néanmoins quelque chose, mais qui n'était pas ce qu'on pensait, ben, ils ne pouvaient pas dire que c'était... Vous voyez le mot, hein? Et de là, bon, ben, les gens ne faisaient que des éloges sur les skis, et c'est ce qui a lancé véritablement la saga du ski. Au début, les deux cousins fabriquent et vendent 120 paires de skis dans l'année. Le rachat de l'usine savoyarde de Stravert en 1975 leur permet de passer au stade industriel. 4 ans plus tard, la société Vittel prend une participation de 34% en échange d'un apport d'argent frais. Et de nouvelles machines sont achetées. Aujourd'hui, Léo Lacroix a trouvé le bon créneau, les skis haut de gamme. Le prix de 2000 à 6000 francs. Je me suis tourné d'abord vers le marché suisse, puisque le marché suisse était tout proche, puis j'étais à côté, puisque je suis de Bois-d'Amont déjà, j'étais à côté de la Suisse, c'est une enclave dans la Suisse. Et puis les Suisses, finalement, c'était déjà une référence. C'est tout qui avait la clientèle internationale, plus que la France à l'époque, parce que c'était la Suisse et l'Autriche. C'était les sports d'hiver étaient en Suisse et en Autriche. Une petite anecdote, notre première compétition aux États-Unis, quand on allait aux États-Unis, nos interviews c'était « Où est-ce que vous skiez ? Est-ce que c'était en Suisse ou en Autriche ?» On a dit « Non, c'était en France, parce que ça démarrait tout. On avait quelques stations, on avait des stations quand même de prestige, Chamonix, Megève. » Et là, à partir du moment où toute cette clientèle américaine d'autres pays qui arrivait en Suisse, on se dit ben, « Ils ont découvert, je suis parti aux États-Unis. » Vraiment, ça a été mon plus gros marché aux États-Unis. Et c'est parti comme ça. C'est à travers ces clients qui arrivaient sur un territoire comme la Suisse,
en France un petit peu, et que c'est développer un petit peu le prestige de la marque. Pour moi, c'était une autre compétition, parce que je vais vous dire, il y a eu la compétition de ski, mais la compétition industrielle, elle est encore beaucoup plus difficile, je pense, puis surtout quand on n'est pas formé. Et néanmoins, vous savez, quand on est un battant, quand on a l'esprit de compétition, on arrive à tout, hein, dans tous les domaines, je pense. Léo Lacroix, comme les autres grands champions de l'équipe de France de l'époque, a largement contribué à l'engouement des Français pour le ski. On est alors dans les années 60, les Français se passionnent pour les victoires de leurs champions, pendant que l'État français prend conscience de l'intérêt de valoriser son patrimoine alpin. Le Mont Blanc en face, les Drues, la Verte, la Saulire, Courchevel derrière, on devine Méribel juste là derrière. Lorsque j'ai quitté l'équipe de France de ski en 68, donc j'ai été sollicité là parce que c'est la Caisse des dépôts qui est venue investir ici dans cette vallée, qui était la plus belle vallée, une des dernières vallées à équiper donc, pour les sports d'hiver. J'ai été sollicité pour venir ici comme directeur technique de la station pour éventuellement aider au traçage des pistes, l'implantation des remontées mécaniques et surtout faire de la promotion pour la station, une station nouvelle. Et je crois que c'est après les championnats du monde de Portillo où il y a véritablement eu le déclic du ski. Et c'est là que toutes les stations nouvelles, ce qu'on appelle les stations nouvelles, de nouvelle génération qui ont commencé à s'implanter dans toutes les Alpes, à partir de 1966, après les championnats du monde, qui a duré jusqu'en 1970, d'ailleurs surtout dans la Tarentaise, avec Tignes, les Arcs, la Plagne, les Menuires, Val Thorens. Et c'est là qu'a été véritablement le déclic, le démarrage du ski en France. C'est une très grande satisfaction finalement. On en est très fiers finalement que toutes ces stations se soient développées. Vous avez donc Jean-Claude Killy, il a donné un bon coup de main avec Val d'Isère, la Daille, Perilla, donc il était La Clusaz. La Clusaz s'est développée aussi, Chamonix. Et nous tous, donc moi je suis arrivé ici dans la vallée, je crois que je pense avoir contribué justement à l'essor de cette vallée. Je suis arrivé ici en 1970, donc ça fait déjà plus de 40 ans. Et vraiment, je crois qu'on est tous très fiers de voir que le ski en France s'est vraiment développé. Et je crois que dans le monde entier, on connaît la France maintenant pour ses sports d'hiver. Ah, London, with Lacroix skis. Sorry? That's my skis. I had a factory. Yeah. And I was a champion. French. You were? Yeah. But so many years ago, you were not born yet at that time. That yeah, was from 60s, 70. You know? And I built my own ski factory and I made that skis. Amazing. Yeah? Good skis. Really? Well made, yeah. That's a compliment. Thank you. Good stuff. Right. We're going skiing. Are you hanging around here? How well? Yeah. Nice to meet you. Nice meeting you too. And, good skiing, huh? Thanks very much. Have a good time. Will do. Thank you. Right, don't fall over now. C'est une certaine fierté aussi pour nous. Hein. On voit qu'il y a des Polonais qui sont ici sur les pistes, des Anglais, beaucoup de pays étrangers qui viennent ici. On a même des Brésiliens qui viennent. Il faut dire aussi que j'avais pas mal contribué, moi, à l'époque, pour développer la station des Menuires, faire sa promotion, avec beaucoup de Canadiens qui sont venus ici. C'est là que tous ces pays donc, ont découvert la France. Et des montagnes tout à fait exceptionnelles. Hein, quand on voit les montagnes que nous avons, en plus, nous avons le Mont Blanc, quand même le plus haut sommet du monde, d'Europe, pardon. Alors, je crois que c'était tout à fait légitime que la France développe donc, toutes ces stations et qu'ils en fassent vraiment un tourisme d'hiver vraiment de grande envergure. Ah,
En 1980, c'est passé, c'était aux Jeux Olympiques de Lake Placid aux États-Unis. J'étais là pour, en tant que consultant pour la télévision canadienne en 1980. Et toutes les pistes étaient enneigées jusqu'au sommet. À l'arrivée, toutes les pistes donc, de Lake Placid avec des enneigeurs. On appelait ça des canons à neige à l'époque. Maintenant, donc, ce sont des enneigeurs. Et c'est vrai, quand je suis rentré, j'ai dit, bon, pour les menus, je crois que ce serait indispensable, surtout pour la fin de saison, pour arriver jusqu'à la station même, arriver à ski, pour qu'on soit les premiers à organiser justement cette neige de culture, comment on appelle ça, de la neige de culture. Et à partir de 1982-83, il s'est avéré qu'il y a eu des manques de neige et c'est là que c'est véritablement développé donc, cette neige de culture et qu'on voit partout donc, ces enneigeurs. Et je crois qu'heureusement que nous avons ça actuellement parce qu'une saison comme celle-ci qui démarre, avec les difficultés que l'on voit, bien heureusement qu'il y a tous ces enneigeurs de façon à ce que les skieurs puissent se procurer un énorme plaisir en découvrant donc, toutes ces pistes enneigées. On a mis quand même un certain nombre d'années. Il a bien fallu une quinzaine d'années pour qu'elle se développe. Et surtout, bien organiser surtout cette liaison qui était indispensable avec les Trois-Vallées. C'est-à-dire pour pouvoir basculer sur Méribel, avoir la liaison avec Courchevel. Alors, c'est vrai que ça a été de longue haleine. Mais néanmoins, je crois qu'on a réussi des liaisons et vraiment des remontées mécaniques tout à fait exceptionnelles avec les remontées mécaniques les plus sophistiquées qu'on a dans les Trois-Vallées. Je crois que c'est, je pense, unique actuellement au monde d'avoir des remontées aussi intéressantes et avec des débits tout à fait exceptionnels. Ces grands skieurs ont marqué leur époque. Ils étaient connus, reconnus à travers le monde. Le fait de pouvoir s'attacher les services de l'un d'entre eux, Killy à Val d'Isère, Léo Lacroix au Menuire, a été pour les stations une excellente chose. Moi, j'en suis absolument persuadé. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est peut-être moins vrai, parce qu'il y a de nouvelles générations. Mais néanmoins, quand on parle de Killy, quand on parle de Lacroix, quand on parle des sœurs Guachel, quand on parle d'Isabelle Mire ou d'Annie Famos, je veux dire, ça nous parle et ça parle à tout le monde tellement ils ont marqué de leur empreinte, de leur nom, de leur performance, l'histoire du ski et l'histoire, vous savez très bien, des sportifs de haut niveau. Il y a une identification par rapport à un pays, par rapport à une région, par rapport à une station. Et ça, ça reste vrai. Ça s'est bien passé. Bonnes vacances. Monsieur Ludo. Vous allez bien? Qu'est-ce que tu dis, monsieur le directeur? Ben, ça va bien, et vous? Ouais. Alors, dis donc, j'ai vu qu'il y avait des Chinois, des Polonais, des Anglais. Mais là, c'est vraiment cosmopolite, ici. Ah, ouais. Oh, c'est magnifique, ça. C'est beau. Ah, c'est beau. Putain, faut pas montrer ça à ma femme, parce que, mon Dieu, ça va me coûter cher. Après, je laisse faire les vendeuses. Hein, C'est vrai. Dis donc, c'est magnifique. C'est quoi, ça, comme... Ça, c'est italien. Ah ouais. Non, mais c'est Sportalm, c'est autrichien. Ah, Sportalm. Ouh là là, bah c'est le top beau. Top. C'est beau, ça. Ah ouais, ils sont à Kitzbühel. Bien sûr. À l'origine, donc il n'y avait pas tellement de commerce, mais on m'a demandé de prendre ce magasin que j'ai fait. Et ensuite, donc j'ai développé ça après avoir pris ma retraite et après avoir vendu, bien entendu, les skis Lacroix. Et j'ai monté ici des magasins, donc 4 magasins. Celui-ci, c'était le magasin principal qui est au plein cœur de la station. Je crois qu'il y a un emplacement tout à fait exceptionnel. Ah oui, oui, je n'avais pas vu ce portail. Je voulais passer derrière la barrière parce que moi, j'étais donc industriel et tout. Je vendais mes skis à tous les magasins de sport. Et ensuite, donc, j'ai voulu m'impliquer complètement moi, dans la vente des skis, avoir des magasins de sport. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez par exemple, Ski 7, c'est moi qui suis à l'origine de cette centrale Ski 7, parce que je voulais qu'on développe une centrale qui soit uniquement référée aux magasins de montagne. Ce qu'on a fait, donc, c'était essentiellement de la location de skis. Je pense que Ski 7 actuellement donc, est la première centrale mondiale pour la location de ski.
Et j'en suis très fier. J'avais développé ça donc, avec toute une équipe de grands magasins de toutes les stations. Et je voulais que ce soit uniquement des magasins de haute altitude. On est les vacances, là. Dis donc, je vois qu'il y a toujours beaucoup de monde. Hein. C'est quand même le number one ici. Hein. Premier magasin de la station. Hein. Bon, ben, grâce à toi, là, maintenant. Ça me fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a un excellent directeur, là. Et oui, on a encore des choses qui... En souvenir, hein. Ah, tiens. Des skis Lacroix. Eh oui. Oh, mais t'as mis Lacroix. Ah, mais c'est des skis de location, ça. Oui, oui, ça, c'est ceux de Locke qu'on a pour cette saison, en premium, dans notre catégorie, dans la catégorie la plus haut de gamme. Ouais, voilà. Ah, ben oui, Lacroix, hein, c'est le haut de gamme. Hein. Ah, oui, oui, bah oui. J'ai vendu ça à cause un petit peu de l'âge, parce que j'avais de jeunes enfants, je savais que c'était difficile qu'ils reprennent et tout, d'autant plus quand même que le... L'entreprise, finalement, c'est pas toujours évident. J'avais pensé également qu'en montant des magasins de sport, c'était beaucoup plus facile pour les enfants et qu'ils allaient se retrouver finalement dans un autre environnement qui est toujours magnifique d'être dans un environnement de vacances. Et c'est la raison pour laquelle j'avais monté ces magasins, mais malheureusement, mes enfants ont fait de très bonnes études, finalement, donc ils n'ont pas été à même de pouvoir reprendre les magasins, mais ce n'est pas un problème. Et puis les magasins ont été vendus, et puis j'en suis très satisfait aujourd'hui, je suis content de revenir devant ces magasins, où pour moi, je me suis fait beaucoup de plaisir d'être ici. Aujourd'hui, Léo s'est séparé de l'entreprise Lacroix. Il a confié l'héritage et la fabrication des skis à un repreneur qui poursuit avec succès la prestigieuse trajectoire de la marque. Mais il doit pouvoir vérifier ce qu'il y a à nous. C'était pour éviter de travailler sur quelque chose de complètement à plat. Mais au final, moi, tous mes calculs, toutes les mesures que j'ai. J'ai travaillé pour les skis Lacroix au début des années 90, où je m'occupais d'une partie commerciale et puis un peu de test ski. Et donc, suite à la vente de l'entreprise par Léo, il y a eu des repreneurs en fait, qui ont eu des fortunes diverses et variées. Et j'ai pu racheter la marque en 99. Et à partir de là, on lui a redessiné en fait, une stratégie pour la repositionner comme elle l'était et comme l'avait déjà initié en fait, Léo, c'est-à-dire la Rolls du ski. Je resterai plutôt sur cette largeur-là, en fait. Non, mais tu ne peux pas l'avoir. Parce que là, il n'est pas usiné. Il est moins poli, en fait, que quand c'est le passage d'une fraise. C'est tout. D'accord. C'est une marque qui a toujours été empreinte de technologie, d'innovation. Et après, il y a eu un petit virage qui a été opéré dans les années 80, où, en fait, plutôt que le chrono, ils se sont focalisés sur le plaisir. Et dans notre projet aujourd'hui, en fait, c'est cet ADN-là qu'on a repris. On essaie d'innover. Aujourd'hui, on fabrique les skis en toute petite série, en ayant une approche qualité, plaisir, performance, pour que les skieurs puissent savourer ce qui se fait de mieux aujourd'hui. On monte ce vide fixe, on servira de cette paire-là pour faire des tests. Donc... On va les monter sur une... L'histoire de 320. Pour les marques, l'histoire, elle est très, très intéressante. Et l'histoire de Lacroix, elle est fabuleuse. 320. C'est quand même, avoir la chance de développer ses propres produits, de gagner avec ses propres produits, et derrière, d'en faire une aventure industrielle, un succès de marque tel qu'est celui de Lacroix. C'est sûr qu'évidemment, on réfléchit à tout ça et ça fait partie de l'histoire de la marque. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Et c'est une histoire extraordinaire. 306, combien ? Une histoire extraordinaire qui s'est toujours jouée dans l'intimité d'une autre épopée, celle de Jean-Claude Killy. Merci, monsieur. Bravo. Solide encore à l'arrivée. Fatigué. Voilà. Oh. Eh. Oh. D'accord. C'est deux là. Oui. Bien. Bon, attends, tout le monde. Combien ? Oh, j'ai besoin d'un. Je suis loin. Je sais pas. Oh, je suis loin. Ouh là là, j'étais mauvais même. Ouais. Tout en faute de car, ça marche. Les deux hommes se connaissent depuis les débuts de Léo dans le Jura. Tous les deux leaders de l'équipe de France, ils skient toute leur carrière dans les mêmes traces. Une complicité et une amitié sans faille qui a conduit les deux champions à se soutenir à chaque instant. All right. Oh.
grand. Ça va ? T'es réchauffé, ouais, ça va ? Bon, costaud. Ouais, tu vas bien ? T'es encore rajeuni. Tu crois ? Ouais. C'est toi qui es beaucoup plus jeune que moi quand même. Allez, rentre, mon grand. Les deux hommes se voient encore aujourd'hui, dès qu'ils le peuvent, pour partager les passions de toute une vie. J'ai récupéré quelques photos. Ah ouais ? Mais je te signale tout de suite, il n'y a pas de fille. Il n'y a pas de nana. Ah non, non. Je vois peut-être un porte-à-faux, là. J'étais où ? J'étais au grenier ou... Au grenier, oui. Regarde ça, mon Dieu. Tu sais, c'est ma mère qui avait conservé toutes ces photos. Je suppose que tu connais tout ça. Celle-là, moi, je l'apprécie beaucoup, parce que je disais tout à l'heure... Ça, c'est... Podium de Portillo, non ? Portillo, oui. Dans ma vie, à moi, il occupe... Podium Portillo. Lui et les autres skieurs de cette équipe-là occupent une place tout à fait à part. Et il semble qu'en vieillissant, ces liens se resserrent encore. Peut-être parce que nos histoires n'intéressent plus personne que nous-mêmes. Peut-être, mais ça n'a aucune importance. Mais aussi parce que je sais d'où il vient. Il travaillait en usine, on disait comme ça à l'époque. Il travaillait en usine et il faisait des boîtes de fromage en épicéa. Tout à fait. Donc, autour du vacherin. Et donc, il a réussi... sans l'aide de personne, j'ai envie de dire, à sortir de cette usine, à passer jusqu'à Valoir et à commencer à skier correctement, se distinguer, se faire repérer, alors qu'il y avait... Le ski était déjà plutôt populaire et qu'il n'y avait pas beaucoup de place. À l'époque, quand on disait « je viens du Jura », vous n'aviez déjà plus aucune chance. Vous n'avez plus de crédibilité, plus rien. Alors on dit « ah, tu fais du ski de fond ». Eh ben non, il ne faisait pas du ski de fond, il faisait du ski alpin et il a eu sa chance parce qu'il l'a voulu décider... et qui s'est accroché comme un malade, comme un malade. Et moi, j'ai assisté à tout le processus depuis mes 12 ans, du premier jour. Les allées majors. Ah, d'accord. Ouais. T'avais encore passé des vies en tant que fabricant ? Eh non, du tout. Oui, on retrouve quand même tous les copains, hein. ça fait plaisir. Ouais. Regarde celle-ci, quand même, aussi. Jules Melchion. Jules Melchion, je disais, les quatre mousquetaires, c'était les quatre copains. Ouais. Ça, c'est la chambre de Portillo, tiens. Chambre de Portillo. Ah, avec des lits superposés. 2 mètres carrés, lits superposés. Un lavabo. Douche à l'étage. Un lavabo. Douche à l'étage. Oui. C'est-à-dire que moi, dans mon coin, je voulais réussir à tout prix. Aussi, pas pour rien d'autre que pour gagner des courses de ski. C'était la seule chose qui m'intéressait. Tout le reste, la médiatisation, rien d'autre ne m'intéressait que ça. Et lui, c'était la même chose. Et donc, forcément, on devait, à un moment donné, se retrouver, puisque... notre destin, si on réussissait chacun de notre côté, nous amenait à l'équipe de France, ou en tout cas à l'entrée de l'équipe de France. Puis là, c'est une autre, alors c'est les podiums, encore un podium à Portillo, toujours moi, l'éternel second, oui. toujours le dauphin qui lit, ça c'est quand même quelque chose. Tu vas me faire pleurer, toi, j'ai les larmes aux yeux là. Bah, tu vois, c'est les deux podiums là, descend. Et combiné. Ah ouais, c'est bien ça. Moi, je suis arrivé, je suis rentré en équipe de France en 60 et Jean-Claude tout de suite en 61. Et il y a eu immédiatement cette osmose entre nous. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu des milieux, je ne veux pas dire défavorisés, mais Jean-Claude a eu sa jeunesse qui n'a pas été toujours évidente et tout. Et la mienne aussi, venant du Jura, parce qu'on ne voulait pas de moi. D'ailleurs, Jean-Claude l'a très bien dit tout à l'heure qu'un jurassien, il fallait qu'il fasse du fond du saut. Jamais il ne pouvait sortir dans les disciplines alpines. Et finalement, c'est peut-être la raison pour laquelle aussi je me suis tant battu, parce que j'ai dit, je suis quand même prouvé qu'un jurassien peut sortir aussi dans les disciplines alpines. Et c'est vrai que ça m'a... C'était même des fois un bien pour moi de dire, bon, ben, il ne sortira pas. J'ai dit, ben, je vais le prouver. Ce qui montre simplement le caractère de grands champions, comme Jean-Claude l'a été, hein, puisque finalement, hein, c'est à travers nos caractères que nous y sommes arrivés. C'est par le travail aussi, quand on faisait nos promotions. Avec les vêtements qu'il lit. Mais celle-là, elle était passée dans la presse au Canada, non ? Oui, c'était, je ne sais plus, c'est au Canada. Ou peut-être Japon. Ou à Las Vegas, peut-être aussi. Parce qu'on voit bien que je vendais les skis Lacroix et toi, tu vendais les anoraks qu'il lit. Jean-Claude aussi, il a créé aussi son entreprise. Et c'est ça qui est magnifique aussi. Parce que créer les vêtements est la raison aussi de ne pas être concurrent. Parce que c'était complémentaire. C'était les vêtements de ski et le matériel. Et ça, c'est ce qui a fait aussi notre force, parce qu'on se retrouvait dans tous les salons de ski. Il y avait le stand qui lit, le stand de la Croix. Et c'est vrai que c'était fabuleux. Puis d'autant plus, on faisait tous les salons du monde entier. On se retrouvait au Japon, aux États-Unis. Je crois que tu peux en raconter toi aussi, ces anecdotes. Je crois qu'on est tous les deux très, très fiers d'avoir
pris ces risques-là, parce que ce sont des risques de descendeurs, ça. À notre époque, il fallait être costaud pour faire de la descente à ski, parce que c'était dur et dangereux, et donc on fait partie de cette race-là des descendeurs, et donc ça se rejoint quelque part au point de vue état d'esprit. Et donc quand j'allais le visiter, lui et son cousin Daniel, dans ce qui était une petite usine au départ, qui est devenue une très très belle usine, eh ben je ne savais pas exprimer mon admiration, donc je ne le faisais pas à l'époque, mais aujourd'hui c'est plus facile à faire, puisque tout cela est terminé, quoi. On a eu et on a fait et on est content. Hey, quand tu penses que maintenant ils ont des 1,80 pour courir les descentes, tu vois le poilu, comme c'était lourd. Protège pas, tu l'as rapporté. Il doit la canne, les cartes. Ils sont encore en train de polymériser, je pense. Ils ont pas fini leur mur. Tu sais, on rapportait les cartes. Ah non, mais après, ça, c'était l'évolution, c'était le premier ski intégralement plastique avec un noyau en polyuréthane. Ah oui. Ah, puis on avait évolué, là, c'était juste quelques années après. Tu avais mis le coq, là, t'avais même ah ouais. Pas le droit, mais tu l'as mis quand même. On me l'avait quand même toléré. Ouais. C'est pas que la prison. Non. Le sport et la montagne font toujours partie de la vie de Léo. Mais l'ancien sportif a décidé de prendre un peu de recul avec ses activités d'autrefois. Des amis lui ont fait découvrir le golf, qu'il pratique désormais avec la rigueur et l'enthousiasme qui l'ont toujours guidé. En 2000, quand j'ai quitté toutes mes activités, j'ai pris un coup de blues, j'ai dit qu'est-ce que je vais devenir. Et finalement, ben, c'est grâce à des amis, je me suis remis à tout. Mais je pense qu'on a quand même une certaine faculté, les anciens sportifs, de s'adapter tout de suite à cette compétition, à ce nouveau sport. Ce qui est commun, c'est déjà un sport de compétition. Et ce qui nous apporte le plus dans le ski, je crois, pour un skieur ou pour tout autre sport, c'est la concentration. Parce que se concentrer sur une petite balle, et en plus, il y a cette préparation quand tu es sur un titre départ, c'est une routine, c'est penser à son grip, penser à son emplacement, son stand, son tout. C'est véritablement une concentration extraordinaire. Je pense que ça doit apporter beaucoup à tous les sportifs, cette concentration. Et on le voit très bien, c'est que nous, tous les sportifs de ma génération, s'est mis au golf après la compétition. Et c'est vrai que pour nous, ça a été formidable, parce que finalement, ça a été une autre conversion comme sportif de faire de nouveau un sport avec cette compétition. Et en plus, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que tous les sportifs qui sont en activité se mettent tous au golf. Donc, véritablement, ça apporte quelque chose, et je crois surtout c'est cette concentration. C'est pas mal. Ça fera le pas. Attends, je vais la marquer. Je vais pas passer sur temps. Ah ben là. Facile, hein. Vous savez, on est. Le ski, on est un petit peu en marge de tout, puisqu'on est dans nos montagnes et tout. Et là, le fait, à travers le golf, à travers les invitations que nous avons pu avoir, se retrouver tous les sportifs, j'ai découvert tous les plus grands champions dans tous les sports, dans le tennis, dans le foot, dans le rugby, partout, parce que nous, on est complètement excentrés finalement de tous ces autres sports, puisqu'on est, c'est un sport de montagne. Et là, vraiment, c'était un bonheur, un véritable bonheur pour moi de découvrir les plus grands champions en France. Ouais. Pour moi, bon, il y a eu ma carrière, mais je pense que c'était secondaire. Pour moi, c'était quand même de me lancer dans l'aventure industrielle, lancer ma fabrique de ski. Donc j'étais le seul coureur à lancer et à courir sous mes propres skis des championnats du monde et même des Jeux olympiques. Donc
c'est une grande satisfaction. Et la deuxième aussi, c'est d'être arrivé ici, au Menuire. Puis finalement, bon, c'est mon environnement quand même, la montagne. Puis la neige, c'est quelque chose de magique. Donc, avec les amis et tout, faire un peu de ski, aller dans les restaurants d'altitude, faire un petit repas sur une belle terrasse et terminer par un bon genépi. Je crois que voilà comme je conçois actuellement la neige et puis les sports d'hiver.